Et donc on a été un petit peu, comment dirais-je, inspiré. On est dans un manoir du 15e siècle à Carligonan. Et là, on était un peu inspiré par les visiteurs. Chevalier de Cornouailles. Allons, allons, mamie, venez, faisons ripaille. Avant que l'on ne se couche ici là sur la paille, ou bien préférez-vous aller à l'hostellerie pour que je vous honore, ma douce et belle amie. Demain, mon bel amour, je dois livrer bataille. Je partirai aller préparer mon chandail. Mais mon gros cornichon, il n'y a que ta maille qui taille. Et tâche de ne pas prendre un coup dans la tripaille. Vous savez forniquer, c'est bon pour la santé. Et si je dois mourir, il faut en profiter. Les ennemis d'Angleterre n'auront pas de pitié. Et ils auront à cœur de me voir les chines courbées. Je dois disparaître, je veux un héritier qui restera ici, mamie, vous protéger. Alors arrêtons là de nous remplir la panse, car je dois dès ce soir vous offrir ma semence. Quelqu'un frappe à la porte du manoir de Carligonan. Mais qui ose à cette heure à m'importuner ? Excusez, monseigneur, une missive à porter. Une nouvelle très urgente du duc de Cornouailles qui dit que dès ce soir on doit livrer bataille. Après avoir sailli, ma belle créature, je m'en suis donc allé en changeant de monture. Et par les monts d'Arrée, de Spézet à Gourin, chevauche la Bretagne sur mon fidèle bourrin. Les combats furent si durs, on parle de tuerie, les Anglais nous chargeaient avec frénésie. Mais le Breton est fort, vaillant et vigoureux, et l'ennemi vaincu fut refoulé chez eux. Fêtez la victoire, amis, faisons la fête. Que le vin coule à flot, nous fasse tourner la tête. Et parce qu'on ne sait jamais quel malheur nous attend, profitons sans attendre de petits bonheurs présents. Allons, allons, mamie, venez, faisons ripaille. Avant que l'on se couche ici, là, sur la paille. Ou bien préférez-vous aller à l'hostellerie pour que je vous honore, ma douce et belle amie.